Mais qu'est-ce que tu m'as montré là-bas ? Jim ! Silence ! La statue du temple. Était-ce l'homme que tu as vu à la Havane ? Son portrait craché, oui. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé, et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote ? Tout est ta faute, Capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont conduits droit sur nous. Les agents de deux empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, Mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur il attache à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention et tu feras moins de victimes. Utilise les fléchettes sur celui qui vient. Fais vite! Efficace et silencieux, non? T'as vu ce temple? Il est gigantesque. Ouais, on me demande s'il est rempli d'or, de jade et de pierreries. Oh, silence! Touch page, y est-elle bonnie comme Mac Abedkachli? J'en suis sûr, après tout, c'est là-dedans que les Espagnols les trouvent. Ah bon? Tu as ma gratitude, mais pas mon pardon. Un esclavagiste qui fait venir ses soldats, un nommé Lawrence Prince. Écoute, mon gars, détache-moi, et je ferai plus jamais de mal, je te le jure. Que la peste emporte ces négriers! Yeah.
Viens te battre comme un soldat. Bon sang, j'en pouvais plus. Du nom de Prince. Il paraît qu'il a une lettre de marque du gouverneur. Tu agis par gentillesse et qu'on doit lui témoigner tous les égards. S'ils me reprennent. Observes-tu? Tu vois cette misérable crapule? C'est Lorenz Prince, un négrier batave. Il vit comme un roi à la Jamaïque. Il y a des années qu'on traque cette charogne. Par l'enfer, on le tenait presque! Vous les assassins, vous êtes une bande de joyeux drilles. Vos têtes font vraiment peine à voir. Capitaine Kenway, tu disposes de nombreux talents. Ah, le talent, c'est inné. Mais tu es grossier et arrogant. Et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité. Enfin, tout est permis. C'est bien votre devise, non? Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. Navré, mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu. Ils savent s'amuser, tes amis. Tu mérites leur mépris, Edward. Tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres. Tu fais honte à notre cause. Et c'est quoi, votre cause? Notre cause est de tuer des gens. Les Templiers et leurs alliés. Ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde, soi-disant au nom de la paix et de l'ordre. Ça me rappelle les derniers mots de Ducasse. Tu vois, tout est question de pouvoir, mon ami. Ils veulent dominer les gens, confisquer nos libertés. C'est un autre message d'un de tes amis? Ouais. Je vais te montrer.
Je sais que notre credo pourra pas te convaincre. Mais peut-être seras-tu plus sensible à l'argent. Toujours. Alors exécute ces contrats en notre nom. Et nous te paierons. Une association profitable.